C'est Wolfgang et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans pour ce 5ème Clash of Trolls. Ma foi, il y avait pas mal de temps qu'on s'était quitté son dernier épisode du Clash of Trolls numéro 4. Et donc on se retrouve une semaine plus tard ou deux presque, je ne sais pas. Donc on va mettre un petit coucou YouTube, je sais plus écrire bien sûr, bien évidemment. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de la technique, attendez que je réfléchisse. Allez, on va appeler cette technique le P-Witch, parce qu'il y a que deux trucs dedans. Donc vous l'aurez compris, on a 6 PK et 6 sorcières, avec quelques sapeurs bien sûr. Donc on va tenter de voir ce que ça fait. On a 2 sorts de saut et 3 sorts de gel. Bien sûr, avec nos petits héros qui vont jouer un bon rôle, je pense. On verra. Mais avant de commencer, on va voir tout d'abord combien j'ai de remparts restants. Donc j'en ai 41. Donc vous voyez, j'avance assez vite. Ça fait quand même. Ça fait quand même à peu près un mois que j'y suis. Ouais, même un peu plus, je pense. Bref. Ouais, Monsieur Moustache qui fait sa petite pub, bon, y a pas de soucis, mec, de toute façon, je vous mettrai, enfin, je vous ai mis, je pense que je vous le remettrai, le lien de tous les youtubeurs du clan, il y en a pas mal, donc voilà. Allez, donc les gars, sans plus tarder, on va lancer une game. Je règle bien. Ouais, je règle. Je vérifie, hein, juste, on sait jamais. Toc. Donc, on va chercher une base pas trop dure, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, ma foi, les amis, on va essayer de taper là-dedans. On va voir ce que ça peut faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer... Bon, les amis, je vais envoyer... Alors, je sais pas du tout comment attaquer. Je pense que je vais d'abord envoyer les héros. Voilà. Parce que les héros, ils vont devoir faire du taf. Et on va envoyer un sort de saut... ici. Hop, voilà. On va envoyer un sort de saut ici. Et on va envoyer les PK. Voilà, maintenant que les héros, ils ont fait un petit peu le taf, on envoie les PK. Ok, donc vous voyez, les héros qui prennent extrêmement cher, mamma mia. Et le roi... Ah, merde, trop tard, le roi. On envoie toutes les sorcières. Hop, on va lancer un autre saut juste ici. Et on va bien geler le petit truc. D'ailleurs, j'ai même pas envoyé mes sapeurs, moi. Oh là là, le bordel. on va regeler. Allez, qu'est-ce qu'on regèle? On regèle ça. Ok, la reine. Pff, j'ai absolument rien gelé. Mon dieu, regardez-moi tous ces petits squelettes, d'accord? Parce qu'en fait, toutes les sorcières ont contourné. Bon, bah, pourquoi pas? Du coup, je vais geler ça. Alors, en même temps, je suis un petit peu idiot parce que j'ai pas attaqué une base HDV10. Donc, les sorts de gel là-dessus, c'est vrai que ça servait un peu à rien. Ceci dit, on peut voir que la technique se passe quand même pas trop mal parce que on arrive à faire 40% des étoiles sur une base HDV9. Bon, la base était pas extrêmement dure, vous me direz, mais c'est quand même pas mal, je trouve, parce que c'est une technique que j'ai jamais fait de ma vie. Et c'est pas trop mal, je trouve qu'on se démerde pas mal quand même. Voilà. Oh, par contre, là, les sorcières qui prennent cher. Ouïouïouï. Le mortier, effectivement, qui fait pas mal de dégâts. Les petits squelettes. Ah, il y a plein de petits squelettes. Je crois que les PK... Ok. D'accord. Tous les PK ont tourné juste ici. On a deux petites sorcières, là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir chercher le 100%? Je ne sais pas. En tout cas, le groupe de sorcières juste ici est décédé. Du coup, il va nous rester plus que ce petit groupe ici. Les PK qui leur reste vraiment très peu de vie. Voilà, ça y est. Il y en a plus que deux en vie, maintenant. On va voir si la sorcière peut faire le taf. Pas du tout. Donc du coup, il va rester plus que ces deux PK. Et d'accord, voilà. Bon, bah, je crois qu'il y en a encore un en vie. Voilà, hop. Et il en reste plus qu'un. Bon, ok, il a encore pas mal de vie. On aura quand même réussi à faire deux étoiles sur cette base. 71% en plus. Donc c'est quand même pas trop mal. Donc ce qu'on a pu remarquer, c'est que il faut bien dégager les bâtiments parce que les sorcières ont contourné. C'était un peu abusé.
Mais bon, je trouve quand même que c'est... Enfin bon, moi honnêtement je m'attendais vraiment au pire parce qu'avec une technique comme ça. En tout cas, j'ai bien réussi mon troll, donc ça me fait plaisir. Ça me fait bien plaisir. Donc voilà les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine. Et peace les quenouilles.